new ending me. Bah attends, mais t'es un malade. Là, mec, on est dans le cœur du Mexique. Oh, le bâtard. Attends, mais ça trace. Oh, mais il y a les flics derrière toi. Oh, les bâtards. Heureusement. Oh, oh. Polo, lo, 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 lo. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans ce cadre plus idyllique. Je suis au paradis. Regardez-moi ça, l'endroit où on est. C'est incroyable. C'est incroyable, les amis. C'est incroyable. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous mets dans le contexte pour ceux qui ont vraiment rien suivi. Nous sommes au Mexique avec la team Crouton. Voilà, c'est carré. Cette petite vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? En gros, c'est très simple. Nous sommes sur une petite île. On est au Mexique, sur une petite île à côté de Cancun. Et du coup, on a des voiturettes de golf pour se balader un petit peu partout dans l'île. Et là, on va partir avec les Croutons. Comme c'est le premier jour qu'on est là, on va visiter un petit peu l'île, voir, enfin on va découvrir quoi, on va visiter le Mexique quoi. Et du coup les amis, je précise, si vous voulez rien rater du voyage, c'est très simple. Vous avez juste à suivre la chaîne de Valouz, forcément Valouz, tous les vlogs, il y a les vlogs de toute la journée, tous les jours à 20h. Inox, il va faire des vidéos, Inox Tag 2.0, Bouzy TV c'est pareil, sur la chaîne Le Bouzeux, moi sur ma chaîne principale forcément. Ah, vous connaissez, on est dans une villa de fou. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura sûrement des petits cache-cache. D'ailleurs les gars, je vais vous faire visiter ma chambre, au moins ma chambre. Regardez cette chambre, elle est incroyable. J'ai tout ça pour moi tout seul. C'est incroyable. Bon, c'est déjà le bordel. C'est déjà le bordel, hein. Vous avez vu, il y a des affaires qui traîne, mes valises elles sont ouvertes comme ça, d'ailleurs dans la valise. Vous connaissez ça? Et ça aussi, ça là, c'est pas mal non plus. Près la chambre, les gars, j'ai mon miroir pour faire les outfits du jour. On a la petite douche qui est carrée et le lit. Mec, le lit, c'est un lit pour 12 personnes. Et ce que j'adore, surtout dans ma chambre, les gars, t'as la vue sur la mer, rien que ça. Et, mais le hamac, monsieur, le hamac. J'ai un hamac sur la terrasse de ma chambre, j'ai un hamac pour moi tout seul. Les amis, on est parti, on rejoint les autres. On part en ville avec les voiturettes, c'est incroyable. Je pense que là, les gars, vraiment, je vous le dis, on est sur les meilleures vacances des Croutons. Oulolololo, ma petite bouse. On est parti ou pas? C'est parti, gros. Attendez les gars, je vais vous montrer quand même d'extérieur la voiture est à quoi ressemble. C'est vraiment une petite voiture de golf, hein. Nous sommes en détente et nous allons visiter l'île. Mec, c'est magnifique. Tu t'en sors, Bouzy? Bah, je pense. Hein. Tu sais conduire, t'as le permis? Bah, j'espère. J'espère. Oh, c'est pas normal ça. Oh, le bruit du moteur. Wow, oh, l'accélération. C'est un V12. Je suis dans la Ferrari GMK ou quoi? C'est la Ferrari GMK. Oh là là, c'est parti. Ouais. On est parti. Ah là, tu viens de passer en mode ça avance. À toutes les losers. Adios. Allez. Allez, on ça bombarde, hein. Eh, ça bombarde. Contre, le volant droit, c'est peut-être pas droit en fait. Attends, j'avoue, le volant il est jamais droit. Bah, non, normalement, je suis droit. Hein. C'est pire que la Fiat. Oh, le rétro. Ah, mais c'est un rétro. Non. Ça va secouer. Oh, le dos. Oh, par contre, ça a vraiment secoué le dos d'âne. Attention, prends-le à fond. Non, arrête. On va pas commencer les problèmes. Ouais, j'avoue, la caution. Mec, tu rends pas compte, mais là, on est au Mexique. On est au Mexique sur une île à côté de Cancun. Mec, c'est incroyable. Putain, les scooters, wesh. Hey, c'est la première fois où on voit vraiment le Mexique de jour, en fait. Ouais, bah oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Hier, on est arrivé de nuit, les gars, donc c'est vrai que là, on découvre. Hein. Mais là, tu sais où on va ou pas du tout? Non. Ok. Par contre, je sais pas comment on va trouver la baraque. Bah, on a l'adresse. Ah, mais on n'a pas de caddie. Ah, mais ouais, les gars, on n'a pas de caddie en ville. Pékin Express. On va retrouver. Oh, eux aussi, ils ont caddie de Golf Life. Tu crois que c'est des vrais Mexicains, eux? Non. Ah non? Ceux qu'on... Ah, peut-être ceux qui ont des caddies, moi je pense que c'est des touristes, non? Ouais, c'est vrai. Bah, la preuve, hein, on a des caddies. Ah, mais on est où là? C'est quoi ça? C'est un bar? C'est vraiment un cul-de-sac. Mec, on est dans un bar. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est pour écouter la mer. C'est vrai? Vas-y, tu me mets à ton oreille. Attends, mais ça coûte 2$. J'ai pas de dollars. J'ai rien du tout. Oh, faut qu'on aille retirer. On demande si on peut essayer. Hola, señor. Can we try this? Ah ouais, on a pas de mots. Noso comprendo. Il a dit 2$ quoi. J'ai fait le V2 allemand, les gars, je connais pas. What is this? Allez. Allez. Allez, on y va. Ah ouais, il en avait un. Il nous a dit 2$. 2$, ferme ta gueule. Un gars, il y a Dobby. Hey, les gars. Vous savez pas, c'est que c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac et on s'est fait recal. Il y a un mec qui nous a recal. Hein. Mec, hey, les toits comme ça là, c'est trop beau. Hein. Ouais. Les toits en paille. Oh lol, oh les taxis, gros. Là c'est Koh-Lanta. Ouais. C'est pire que Koh-Lanta là. Mais là on pourra faire ta vidéo cabane. Ah, en vrai, attention. Non, attends, mais t'es un malade. Mais là t'as failli niquer le caddie là. Oh, j'aurais dû prendre le caddie sur le ponton. Non, on peut pas. Imagine la planche, elle se pète. Ouais. Non, c'est dangereux. Le problème là. Dobby il va nous voir aller sur le ponton et va faire. Eh hey, les gars, oh. Oh la caution, c'est à mon nom. N'empêche les gars, on rigole, mais Dobby, le boss, c'est lui qui a organisé tout le voyage, etc. C'est le boss. C'est la mer là, regarde. Donc ça sent vraiment la moule là. C'est vrai que ça sent la moulasse. Wesh, le bois il est orange.
Et si j'ai bien compris, ici Peugeot et Citroën, c'est Hyundai et Toyota. Ouais. Attention, Dodan, très grosse bosse. Il y a des Dodan tout le temps. Mais ouais, j'avoue. Mais là, dis-toi, je crois que c'est l'hiver, hein. Au Mexique? Je crois, non? Mais je crois que, ouais, je crois qu'on est venu, les gars, la saison, elle est pas ouf. Qu'il est censé avoir de l'orage et tout les autres jours. Et on a semé dopé, hein. Ah ouais, il est loin derrière. Tu veux conduire? Il est dans le rétro. Bon, vas-y, je suis chaud. Tu me laisses conduire? Ouais. Baisse ta culotte, c'est Michou qui pilote. Oh, elle a failli partir. Aïe, oh, putain. Aïe. Allez, ça part. Attention, regarde à gauche. C'est bon, j'arrive, les gars. Américo, Américo. C'est un chef d'œuvre. Oh, l'aspiration. Oh là là, ça tourne. Oh, les bâtards. Oh, ça tourne. Oh, les bâtards. Yes. On passe, on passe. Ouais, vraiment en fait. Ah oui, il y a pas vu. On les voit pas, hein. Les mecs, ils sont cachés. Ils sont cachés. Le Dodan, il est dans la roue. Oh. En vrai, c'est malin. Ils mettent des Dodan, on casse le caddie, on repaye. Ouais. Bon, oh, attention, là, la route, mon gars. Oh. Ouais, allez, toujours. Attends, viens, on fait genre. Oh, ouais. Mais gros, c'est vraiment la circulation des morts. Ah ouais. Il y a que des caddies. C'est Caddyland. C'est Caddyland. Là, on est en totale découverte. Ouais. Je sais pas où on va, hein. Non mais on y va quoi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vrai centre-ville. Non mais à ce qui paraît peut-être, on verra tout à l'heure. Peut-être. Attends mais c'est tout neuf ça. Oh j'avoue. Mais attends ça c'est propre hein. Ah c'est beau hein. Là c'est très très beau. Là-bas il y a l'air d'avoir des trucs hein. Ouais. Là on va tourner vers la gauche je pense. Là mec on est dans le cœur du Mexique. Mec j'ai l'impression d'être dans les films mexicains. Ouais. Oh, on t'est mal la voiture. Ah ouais. Ah ouais gros. Mais ici, gros c'est, j'ai, ici, c'est mec, j'ai l'impression d'être dans Narcos. Hola señor. Hola. Hello guys. How are you? Et tes mains stop, c'est alto. Alto, alto, alto. Hola, señor. Lui, c'est putain, un ghetto. Ouais, par contre, j'ai la toute famille. Ouais, lui, c'est un ghetto. Hein. Là, tout le monde, il nous retrouve, il nous fume. Ah ouais, là, je suis vraiment dépaysé. Hein. Ouais. Là, t'as jamais l'impression d'être en France. Par contre, c'est beau. Mais tu sais que là, je comprends pas parce qu'en fait, les autres, ils me suivent. Mais je sais pas où je vais. Hein. Ouais. De toute façon, ils sont obligés de nous suivre, ils vont moins vite. Ouais, j'avoue. Oh, c'est quoi ça? C'est un kebab? C'est un grec? Je sais pas, mais ça va l'air pas mal. Hein. Il y a beaucoup de petites motos. Comme ouais. Ça me fait penser aux motos de d'Inde, tu vois, les motos qu'on voit dans les reportages en Inde. Ouais, il y a énormément de scooters. Hein. Genre des 50 ou des petites 125. Oh là là. T'aurais été à gauche ou à droite là, on sait plus. Je sais pas. La Casa del Waffle, ça reste la ça. La Casa del Waffle. En gros. La vue, elle est incroyable. Attends, mais j'arrive pas à freiner la descente. Je me colle là où je dépousse. Vas-y. Vas-y. Mec, Dobby, regarde Dobby, regarde Dobby. Dobby va crier. Pour la caution. Mexico! Oh mec, t'es mal les parasols! Attention, je prends le virage. Oh là là! Oh là là, ça se. Oh, j'ai peur d'un papillon! Bah, j'ai peur d'un papillon! J'ai cru que c'était un frelon asiatique ah ouais du Mexique. Mec, par contre, je suis choqué. Pour de vrai, c'est vraiment comment j'imaginais le Mexique. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Je savais que le petit village mexicain c'était comme ça en fait. Ouais, ouais. Parce que c'est ce que tu vois dans les films, dans les reportages et tout. Ce qui est incroyable, c'est que t'as des villas ça. Énormes comme la nôtre et juste à côté, à 3 minutes, t'as des logements un peu insalubres. Oh, il y a la police. Est-ce qu'il va dire quelque chose? Oh, il a rien dit. Il a rien dit, pourtant j'ai pas mis de clignotant. En vrai, il y en a pas, je crois. En vrai, il y en a pas. Je pense que là, si tu conduis, je vais plus vite en sprintant. Ah ouais? On essaye tout à l'heure. Tu veux essayer? Tu te mets à ma place, t'accélères. Est-ce que je suis plus rapide qu'un caddie de golf? Oh le bâtard! Attends, mais ça trace! Attends, mais je suis jamais plus rapide! Oh, c'est impossible! Oh! Mec, c'est impossible! Heureusement! Oh! Oh, oh le c'est Dodan! Impossible, hein. Tu vois, au moment où t'étais à fond, ouais. On était à peu près à la même vitesse. Ouais, mais bon. Sauf que moi, au bout d'un moment, j'ai plus tout le ouais. Oh! Aïe! Ah, ils nous ont clairement pas attendu par contre. Ouais, ils en ont battu les couilles. Ouh. J'avoue, mais en plus là on peut pas les appeler. Non, on a pas de trace à l'hôtel. Ah, mais t'as du réseau? Non, ah, voilà. Surtout que je vais payer une blinde. Je vous explique, petite anecdote. On atterrit, donc on est à l'aéroport. Je me dis, ah cool, je réactive ma 4G. Je reçois un message immédiatement qui me dit, vous payez un surplus de 40 euros. Au bout de 50 euros, ton forfait sera bloqué. 5 secondes après, je reçois un message, vous venez de dépasser la limite de 50 euros. Alors que j'ai rien fait, hein. J'ai juste activé la 4G. Wesh, t'es mort. Oh, l'arbre là, il est trop beau. On dirait un faux arbre tellement il est beau. Viens, on la prend, on l'emmène où elle veut. Tu crois qu'elle veut faire du stop? Hola. Hola. You want? No? I can't, come on. We can depose you
Non. Bah, va nous dire où elle veut aller, on connaît pas. Can you tell. You tell me the road. Voilà. I go downtown to the ferry. Al centro, allez, al ferry. You know the road? And you ending me? Mec, on est vraiment nul, hein. Ah, oui, il écrit. Mec, on est en galère. Ah, ouais, mais elle, c'est un clavier en QWERTY. T'as écrit quoi? Tu connais la route? Elle a dit, ah, ok. No? Oh. Ah. Ok, ok. Bon. Bah, nous non plus. Goodbye, ciao. Bah, du coup, on prend un taxi. Bon, c'est dommage parce qu'on aurait pu lui faire économiser. Ah, mais elle a pris un taxi juste derrière. Je pense, les gars, un jour, je vais faire un road trip en Angleterre et je devrais me débrouiller sans rien. Encore en Angleterre, je peux parler anglais, mais là, ils comprenaient même pas l'anglais. Ouais, là, ils comprenaient pas l'anglais. Ah ouais. Parce que nous, là, tu vois, en anglais, on parlait hyper bien anglais, tu vois, on était vraiment propre. Non, t'es un menteur, là. you connais the road? You don't know the road. Don't know the road. Oui, c'est déjà Ah, mais c'est elle! Ah, c'est elle! Ciao! Oh, il a mis les warnings et tout! Merci et tout! C'est vraiment devenu notre pote! Mec, viens, on essaye de pécho une mexicaine dans les vacances! Imagine, la première fille que je pécho, c'est une mexicaine! C'est incroyable! C'est incroyable! Putain, t'es mal, les petites supérettes! Là, on est en centre-ville! Là, ouais, là, je pense qu'on est centre-ville! En fait, elle est quand même grande ville, hein! Oh, le supermarché! Je sais pas s'il y a des priorités à droite, mais. Ah, il y a une Renault! Dacia Duster! Ah, ouais! Il y a une Renault, frère! On est quasiment en France, là, en fait! Oh, il y a des glaces, non? Là, je sais pas. Ah ouais, mais bon, on a pas d'argent là. Par contre, je sais pas comment on va revenir à l'hôtel, hein. Enfin, à la villa. Bah, en vrai, je connais à peu près la route. Par contre, je sais pas si on va retrouver d'Aubir. Mais on a essence infinie? On espère. Parce que j'avoue que l'essence, on sait pas c'est comment. Hein. Et j'ai le seum, j'ai niqué le Face ID de mon tel. Ah oui, à cause de. En fait, les gars, j'ai mis mon tel dans la mer pour filmer sous l'eau. Et sauf que, en gros, le tel, il est résistant à l'eau de la piscine et tout, tu vois. Sauf que l'eau de la mer, c'est. Comme c'est salé et tout, bah. Ça a niqué mon tel, ça a niqué le Face ID. Ben, sur plan. Ah ouais, mais j'ai pas de co. Je peux même pas voir vers où on est, j'ai aucune connexion. En plus, je suis sûr que la villa, elle est juste de l'autre côté là-bas. En vrai, je crois que là, on est plus très loin, en vrai. Wesh, le pick-up. Ah, mais c'est un caddie. Ah, ouais, il est big, hein. C'est le patron de l'île qui a ce caddie, c'est sûr. Ouais, il y a un patron dans l'île. Théma, il y a des petites barques. Oh la vache. Oh, wow, les dodanes. Ah non, la villa, elle est de l'autre côté là-bas. Ah, je pense que la villa, elle est là-bas, ouais. Ah, ouais. Ah, bon, c'est quand même bien éloigné là. Ah, on est loin de l'eau. Ah, ouais, là, on s'est éloigné. Oh, roule dans l'eau, roule dans l'eau. Wesh. Wesh. Mec, là, il y avait un gars sur le trottoir, tu l'arroses. Attends, mais il y a que des dodanes. C'est gros, je crois, on est au ferry, en fait. On est au ferry. Mais on aurait pu l'amener, hein. Ouais. Elle voulait aller au ferry, mais juste nous, on savait pas c'était où. Mais du coup, on y est. Mais là, je crois, faut qu'on passe Bellec, on commence à être très loin. Ouais. C'est quoi, là? Ah, c'est pour louer. Pour louer des caddies. Ah ouais, il y a grave du monde. Oh, il y a un sombrero. Là, mec, j'aimerais avoir des petits des pesos. Des pesos. Des pesos. Des pesos. Comme ça, j'achète un petit sombrero, un truc comme ça. Ou une petite glace, là, ça ferait plaisir. Attends, mais il fait quoi, là? Ah, il est en train de lui indiquer la route. Ouais, bah, attends, ça m'a reconnu même au Mexique, gros. Ça va ou quoi? Vas-y, arrête-toi, arrête-toi. Attends, pour les enfants, mon pote. Attends. Ça va ou quoi? T'es du Mexique? Bah ouais, bah Michou. Ah, bah bien sûr, j'habite là, Michou. C'est vrai? Ah ouais, je suis pour les vacances. Ah, t'es là pour les vacances? Mais ouais. Michou, carré. Tu veux quoi? T'as besoin de quoi? T'as besoin de quelque chose? Bah, nous, en fait, bah là, en fait, on n'a pas pris notre carte et tout. Mais c'est où qu'on peut retirer? Là, là, il y a un champ. Ah, il y a un endroit pour retirer. Il y en a un là-bas si tu veux échanger. Ah ouais. Il est où, Michou? Bah, je sais pas. Elle a dit Michou, c'est lui. Bah c'est oui. Moi. Tu connais pas? Elle te connaît, moi je te connaissais pas. Attends, tu me connais, mais tu penses que c'est lui? Bah non, mais j'ai jamais vu son visage. Non, mais en fait, ah oui. Mais comment c'est que tu me disais, ouais, quand ils t'ont vu, ah Michou! Ah ouais? Ah, tu sais que j'ai fait un demi-tour de là-bas au fond. Vas-y, bah nous on va continuer la visite. Hein. Ouais, bah ok, bah écoute. Bon, bon après-midi, tout le monde. Bah bonne journée, hein. Aussi, ciao. Des abonnés mexicains, gros. Et c'est incroyable, hein. Incroyable, ouais. Mec, moi j'adore. Rencontrer des abonnés dans d'autres pays et tout, je trouve ça trop lourd. Wesh, mais attends, mais what the fuck? Hola! On fait demi-tour, vas-y. Hein. Après, là, c'est dommage parce qu'on est vraiment dans le centre. Hein. Inox, il a dit il y avait une boîte de nuit ici. Je pense qu'elle doit être par là. C'est vrai qu'Inox, il a dit il y avait une boîte de nuit. Dès qu'on a atterri, Inox, il a regardé. Il a mis sa caddie, il a mis boîte de nuit. Il voulait direct voir. Ouais, il voulait direct voir. J'espère que vous kiffez ce petit tour du Mexique avec nous. Sachez que là, nous, on est vraiment en totale découverte. Genre, je pensais pas que dans l'île, il y avait vraiment ça. Parce que là, c'est vraiment le Mexique comme j'imaginais. En plus, j'ai toujours dit que j'aurais trop kiffé voir ça. Genre, les vrais villages mexicains dans le cœur du Mexique. Je sais pas si vous passez un bon moment sur le vlog, dites-le moi. Ouais, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Par contre, gros,
Je pense qu'on retrouvera jamais Dobby. Hein. Non, on va le retrouver à la villa. Ouais, pour rentrer à la villa, hein, on le retrouvera jamais. Tout ça parce que j'ai voulu faire un sprint. Eh, mais par contre. Pour de vrai, gros, j'ai trop envie d'apprendre l'espagnol. Hein. Ah ouais? Mec, c'est une des plus belles langues, je trouve. T'as pas fait LV2 espagnol, toi? Moi, j'ai fait classe européenne espagnole. Bah voilà, bah t'es bon alors. Bah, je suis bon, pas trop, j'ai un peu oublié, quoi. Ah ouais? Attention, on vous dit qu'il va doubler. On vous dit qu'il double. Oh là 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 là! Oh là! Ça, c'est grâce à la casquette flamme. Attends, tu vas doubler une deuxième fois? Non. Me dis pas que tu vas doubler une deuxième fois. Oh là 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 là! Ils sont jaloux de ouf! Oh là! Ah ouais? C'est trop le seum. Oh, ils vendent des noix de coco. Coconuts. Ah ouais! Eh, c'est le petit marché ici, hein. T'es mal les boissons. C'est trop stylé, hein. Wesh, comment il promène son chien! Eh, le chien, il est trop beau. Attends, mais c'est peut-être pas son chien en fait. Hein. Je crois que c'est un chien errant. Oh, mais il y a les flics derrière qui nous suivent. Ah ouais, j'avoue, il y a la police. Mais non, mais j'ai dit depuis tout à l'heure, il y a la police derrière. Oh. C'est pas le moment de faire un accident, gros. On avait clairement pas vu. Attention. Oh là là, les dodanes, gros. Ah voilà, les gars. Hein. Petit tour en caddie. Je trouve que les dodanes, tu les prends un peu vite. Hein. Ah ouais? Un peu. Eh, je reconnais le bois. Le bois orange. On est presque arrivé. Par contre, Bouzy, ça fait vraiment 20 minutes qu'il y a les flics derrière. Hein. Ouais. Wow, mais gros. Oh, c'est là. C'est là. Ah ouais, c'était là. Oh, il va falloir faire demi-tour, sachant qu'il y a la police. C'est bon. Contrôle réussi. Wouhou. Bien arrivé à la villa, ma gueule. Ils sont clairement arrivés avant nous, regarde. Ah mais oui, j'avoue, il y a leur caddie. Bah mec, c'était lourd. Hein. C'est carré. J'espère mec, les gars, vous avez kiffé cette petite vidéo. C'était hein. Trop dingue. Hein. Papa. Oh là, los clutones. Vous avez trouvé des trucs? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lézards de fou. Hey gros, on a vu un dragon. Bon, et bah les petits potes, cette petite escapade sur l'île là touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai bien kiffé. On est con de pas avoir pris d'argent ou quoi que ce soit parce qu'on aurait pu s'acheter une petite glace ou quoi, traîner un petit peu en ville. Mais c'était un peu repérage. On découvrait, etc. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai surkiffé. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ou quoi que ce soit. Vous êtes les boss. Bisous les gars. Mouah. Attends mes potes. Hey, c'est ma piscine ça. Hey, tu fais quoi? C'est ma piscine frère. Il est fou quoi?